et afin de mieux analyser les réactions, la situation actuelle après l'assassinat de Ismaïl Haniyeh, le chef du Hamas, à Téhéran, il y a quelques heures. Nous avons contacté par téléphone à présent Dr Raouf Ghaffar, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Docteur Raouf Ghaffar, je voudrais bien, avant d'analyser les réactions, je voudrais réviser avec vous le scénario qu'on a. On a l'assassinat d'Ismaïl Haniyeh à Téhéran. Est-ce que, à ce moment-là, on est sûr et certain à 100% que c'est Israël qui a commis cet assassinat? Absolument. C'est-à-dire, ça va sans dire que c'est Israël qui est derrière ce qui est arrivé. Oui. Peut-être avec une aide d'intelligence américaine, peut-être. Justement, je voudrais savoir, et les Américains étaient-ils au courant ou, comme Blinken vient de le mentionner, non? On doit comprendre, Israël ne peut pas faire un pas sans avoir le OK américain. Et ça va bien qu'il n'admette pas ça, mais c'est connu. Ils doivent avoir un feu vert avant de faire n'importe quoi. Très bien. Une opération telle que l'assassinat de Haniyeh a besoin de beaucoup de travail d'intelligence, elle a beaucoup d'infrastructures, disons, pour la faire avec ce succès, malheureusement. Donc, non, ils dépendent beaucoup sur l'intelligence américaine Oui. et c'est un des facteurs qui est derrière cet assassinat. Oui. Mais c'est Israël, le joueur, en foi. Très bien. Israël, depuis presque un an à présent, depuis octobre dernier, est en train de bombarder, d'éradiquer la bande de Gaza, de tuer des civils, des femmes et des enfants, sous prétexte de chercher ses otages qui se trouvent dans la bande de Gaza et les sauver. En tuant Ismaïl Haniyeh, non seulement le chef du Hamas, mais également le négociateur principal dans cette opération de libération des otages. Qu'est-ce qu'Israël attend? Première réaction, peut-être, c'est de massacrer tous les otages. Et on peut s'attendre maintenant à n'importe quelle réaction. C'est très difficile de savoir quelle soit la réaction de Hamas. Oui, mais ça reste Mais toujours, Monsieur Raouf Ghaffar, une réaction à une action israélienne. Ça veut dire que qu'est-ce qu'Israël allait gagner de cette frappe ou de cet assassinat si Israël tue devant tout le monde le principal négociateur dans ce dossier important des otages? Je pense que Israël pense que par l'assassinat de M. Haniyeh, ça veut dire la morale des Palestiniens va baisser et ils vont jeter la serviette, comme on dit au boxing. Ça ne va pas arriver. Ils comprennent bien que Hamas, bien que c'est une organisation, mais c'est une idée plutôt. Idée derrière l'évacuation des forces d'occupation du territoire palestinien. Donc, Oui. qu'on assassine le patron ou pas, l'idée va continuer. Au contraire, à mon opinion, ça va créer une réaction assez, je ne veux pas dire cruelle, mais ça va une réaction premièrement rapide et deuxièmement forte. Et ce n'est pas pour le bien de l'État d'Israël même de faire ce genre d'acte parce que la vengeance créée de cet assassinat elle va faire beaucoup de mal à Israël. Et encore une fois, Oui. mon opinion personnelle, c'est Monsieur le Premier ministre
d'Israël, il fait Netanyahu. exactement, Netanyahou, il fait tout ce qu'il peut pour éviter d'être démissionné. Limogé, c'est vrai. Absolument. Il Oui. fait ça pour son propre bénéfice et pour garder. Parce que si jamais il quitte demain, il est emprisonné après-demain. Donc pour lui, il doit faire tout ce qu'il peut pour garder sa position en ne comptant pas ce qui peut arriver même à son peuple. Donc c'est une chose, à mon opinion, qui n'est pas intelligente du tout de sa part. Et nous attendons à ce que non seulement Hamas va se rétablir, va se venger, mais on va s'attendre des coups en provenance de Hezbollah, un coup en provenance des Houthis du Yémen, et l'État iranien même va sentir qu'il était vulnérable d'une manière vraiment devant tout le monde. Ça veut dire que la défense, disons, iranienne est très fragile et ils n'ont pas pu garder le monsieur chez eux. Oui. C'est pour ça que une réaction va être créée un peu partout et ça va être très mal pour le peuple iranien. Monsieur Raouf Ghaffar, je vous remercie infiniment pour ces explications. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, que le chef du mouvement palestinien Hamas, Ismaïl Haniyeh, a été tué aujourd'hui dans une frappe à Téhéran, imputée à Israël, et il sera enterré vendredi à Doha. Les prières funéraires auront lieu à la mosquée Imam Mohammed Ben Abdelwahab, la plus grande de Doha, et l'enterrement se déroulera dans un cimetière au nord de la capitale Qatari. Bien sûr, une cérémonie funéraire officielle et publique se tiendra demain à Téhéran avant que la dépouille ne soit transportée à Doha. Mesdames, Messieurs, avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de notre édition d'aujourd'hui de direct. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NLTV International.